Et salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Super Trucks Kart. Et en version 0.9.1 officielle. Cette fois-ci, puisque vous voyez, 0.9.1. Alors ça fait super plaisir, la version est sortie. J'ai regardé un petit peu niveau taille, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à... Il y a 3 ou 4 mégaoctets de plus. Par rapport à la version précédente, donc c'est pas... Enfin, version 0.9.1 RC. Donc je pense que c'est surtout des petites corrections classiques. Enfin, un petit bug ici, un petit machin là, bref. Je vais juste retrouver si je retrouve... Non. Ok, alors... Mais enfin, voilà, ça vaut la peine. Ça vaut la peine par rapport à la version précédente, c'est clair et net. Et ils ont fait un super poster... que je vais mettre maintenant si je fais le montage et que j'ai assez de temps pour fêter ça. Je sens qu'un de ces quatre, je vais en imprimer un puis le mettre en grand chez moi. C'est magnifique. Et puis en plus ça fait un petit teasing sur des futures pistes que vous pourrez déjà utiliser maintenant si vous faites un petit don. Et sinon vous attendez la version suivante et ça viendra. Voilà, alors tac. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on reprend Suzanne? Ouais, je l'aime bien Suzanne et tout. Ok, on va se mettre en mode expert comme ça, puis on va faire un petit grand prix. On va se mettre en aléatoire. Et puis on va faire 4 courses. Malheureusement, c'est vraiment une question de temps. Hein. Je suis loin tout le week-end. Et entre les confections de gâteaux et autres crèmes anglaises au chocolat qui sont vachement bonnes, eh ben, je me débrouille pour vous faire une petite vidéo, voilà. Du coup, ça mouvant, vallée verte, fort magma, les grandes paradiso. Ok, je sais pas s'il y a des mises à jour sur ces tracks, donc on va découvrir ça ensemble. Ah, alors je crois que j'en vois déjà une des mises à jour, puisqu'on voit tout de suite les palmiers au fond. Avant, on les voyait pas. Donc ça, je peux tout de suite dire qu'il y a un truc qui a changé. Tac. Mais ouais, enfin... Merci beaucoup à Sam Uncle de m'avoir signalé la version 0.9.1. J'ai reçu un SMS hier soir. Ouais, vas-y, il y a la version 0.9.1 qui sort. Alors, j'étais obligé. Tac. Voilà. Ah, je crois qu'il y a eu 2-3 petits updates là-dedans, hein, visuellement, il me semble. Je crois qu'on va... Il me semble qu'il y a une meilleure distance, en fait. On va plus loin qu'avant. Alors, on va voir. En tout cas, pour l'instant, mon ordinateur ne tire pas la langue. Hein. Non, mais genre. Et merci. C'est comme ça qu'on fait chez moi. Ah, il y a un tout petit clipping quand même, mais c'est beaucoup moins flagrant qu'avant, il me semble. Ou alors, je suis devenu moins râleur, c'est possible. Non, mais barre-toi, Nolok. Et c'est pas marqué que t'as le droit de passer là. Hop. Voilà, toujours bonne. Mais enfin, ça fait vraiment plaisir de voir comment le jeu évolue. Allez! Bon, ok. Bam. Voilà, tu voulais faire l'idiot, tu fais l'idiot. Ok. Ouais, là, je crois qu'il y a plus d'arbres, il me semble. Hein. Ok. Allez, un petit coup de booster. Non, j'aurais dû attirer derrière. Je vais bien, moi. Oui, alors j'ai joué hier soir à. Bah, c'était sur la 0.9.1 RC, encore. Un peu avant de recevoir le fameux SMS qui disait que ça allait arriver. Et en fait. Ah, bah j'ai bien fait. Je l'avais pas senti venir celle-là. Mais c'est rigolo. J'ai joué comme un pied. Alors je sais pas si ça va aller mieux aujourd'hui. Mais quand sur un grand prix, sur 5 courses, on finit dernier 3 fois, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est peut-être que 2. Alors, dans les coulisses, on me fait signe que c'est bien 2 et pas 3. Voilà, tac, yeah. Tu scrotches toi-même. Bon, c'est bien, premier, belle option. Belle option. Ok, ouais, alors je regarde la vitesse. Il y a des utilisations de script, il y a des améliorations sur l'audio, semble-t-il. Ah, là il y a quelque chose qui a changé. Visuellement, c'est plus sombre.
l'impression que les couleurs sont plus sombres qu'avant, je sais pas. Ça vient peut-être des mises à jour sur le système de rendu. Alors, voilà. Ah, puis ce petit bruit de booster, c'est juste géant, je trouve. On va attendre d'avoir un peu de nitro, puis on va tout balancer d'un coup. Voilà. Ah, je sais pas si vous l'entendez vous dans la vidéo, parce que je sais que le son est pas mal baissé, mais ouais, pour moi c'est très clair. Et j'ai un problème. Et on se retrouve avec mes excuses. Non, j'ai eu un problème de gâteau trop cuit. J'ai complètement zappé d'éteindre le feu. Donc voilà. Ne faites jamais de record quand vous faites autre chose. Ça vous causera que des ennuis. Enfin bon. Tac. C'est pas grave, ce sera comestible quand même. Oh yeah. Oh, je peux faire le double changement là. Si je trouve un chewing-gum qui traîne sur la route, ça peut être intéressant. Oh. Après le double changement... Non. Bon bah voilà, c'est bon. C'est cuit. Au revoir le double changement. C'est bizarre comme la vue tremble. Je regarde derrière moi, ça... On a l'impression que j'ai les yeux qui ont... Qui souffrent d'un léger... problème de vue. Allez. Hop. Bastard. Bon, c'est bien. Deuxième victoire. Non, sérieux. Tout le... À part les deux derniers... Tous les scores sont exactement identiques. Mais genre, lol. Ok, alors, For Magma, je sais plus si on l'a faite, celle-là, la nouvelle version. Oh oui, bien, un taux de pénalité. Alors, si jamais dans For Magma, je ne vous en dirai pas plus, mais vous pouvez aller vous promener un peu à des endroits un peu spéciaux. Haha, cherchez donc. Si je l'ai pas montré en vidéo. Si je l'ai montré en vidéo, vous savez déjà, donc bon. Vous n'apprenez rien de neuf. Voilà. Non! Oh, c'est pas passé loin. Ça, c'est fait. Voilà. Et là, un petit truc intéressant. Il existe aussi un raccourci que vous pouvez prendre si vous cherchez bien. Et à nouveau, si vous n'avez pas vu, je suis désolé. Ma mémoire de poisson rouge me fait des fois défaut. Comme là, tout de suite. Ouais, splatch toi-même. Sale pigeon, ouais. Reviens là si t'es un homme. Et si tu me dis, non, je suis un pigeon, je te traite de... De sale piaf. Non mais sérieusement? Ce genre machin, il a... Il a des armées de chewing-gum avec lui. Mais non! Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Allez, zou. Et je l'ai pas vu venir. Ça doit être l'odeur de cramé qui m'influence. Ok, alors là, on va splatcher du monde. Là, ça va être rigolo. Voilà. Mais non mais sérieusement, pourquoi à chaque fois que je tire vers le haut là ça marche pas? Hein? Mais Nolok, mais prends-toi ça! Ça truc bizarre va. Ah oui, bien sûr, il est invincible. Et puis moi, je lance un truc à la tronche. Bien. Bon. Voilà, je crois que j'ai un titre pour...
crois que j'ai un titre pour cet épisode. Le gâteau qui ne voulait pas. Ouais, ça sera bien ça. Ok, puis on va retourner sur une piste qu'on connaît bien, l'île Grande Paradiso. Yeah! Alors ça, pour le coup, vous avez l'habitude. Hein. Ouais, ça tremble la vue en arrière, c'est bizarre. Peut-être un truc de stabilisation quelconque qui manque. Je sais pas. C'est pas grave. Je sais même pas comment c'était sur les versions précédentes, hein. C'est là que je le remarque d'un coup. Avec le fameux raccourci. Non! Ah, bah le fameux raccourci s'est loupé. Ce visuel sur l'eau est assez génial. Non, mais sérieux, bon. Je maintiens, il manque un tout petit truc pour dire « Hey, faut que tu tournes là. » Une petite marque au sol, quelque chose. Bon, c'est pas grave, tac. Ah, le gâteau là, il voulait pour une fois. Ok. Bon, on va pas prendre le raccourci, hein, parce que c'est bon, j'ai compris. J'ai compris comment ça finit. Allez, zou. Ça, c'était utile. Et là, c'était pas utile, du coup. Ce qu'on gagne d'un côté, on le repère de l'autre. Alors... Ouais, on profite un peu du booster quand même, ça serait pas mal. Ah, l'échangeur. Bande d'échangistes! Non mais, barre-toi le poulet! Ouais, je sais, t'es un pigeon. Non, j'en serai premier! Allez, encore un tour! Autant pour moi! J'étais sûr que c'était fini. Une finale pareille, c'était quand même la honte. Hein. Je vais pas dire, mais... Battu par un pigeon, quoi. Bon, on va tenter. Ouais, j'ai réussi. J'ai loupé. Ah, bah en fait, c'est pas si mal parce qu'au final, du coup, je me suis pas pris le ballon de basket. Donc, j'avais perdu moins de temps que si je l'avais pris. Wouh. Alors là, j'aurais pu m'abstenir pour l'encre. Mais pour le reste... Non, mais sérieux. Les aéroglisseurs, c'est pas des engins à roues. T'as pas le droit d'être là. C'est une course de cartes. Alors, Chou, tu te dégages. Mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Je me fais péter la tronche. Non mais, j'ai pas mérité ça. Je t'ai promis tout le long. Et les gars, on se calme. Bon, bah tant pis. Ça c'est fait, ok. Bon alors, c'était Super Tox Card 091. Premier épisode d'une la suite des épisodes, enfin bref, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce à votre couleur préférée si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez le gâteau aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.